Primo, voglio ringraziare la città di Pistoia, il sindaco, il presidente della Casa di Risparmio di Pistoia e Ipecia per l'invito. Purtroppo non parlo italiano bene, però capisco le domande in italiano. Parla francese, sì. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler donc du métissage, identité et branchement. Et je crois que la meilleure façon de procéder pour en parler, c'est de vous faire part de mon parcours intellectuel et scientifique. Oui. Bonjour. Oggi vi parlerò del meticciato, identità e connessioni. Credo che il modo migliore di farlo sia quello di raccontarvi qual è stato il mio percorso intellettuale e scientifico. Alors moi je suis un anthropologue qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, Conakry. Et mon premier travail a consisté à déconstruire la notion d'ethnie. Alors j'ai étudié plusieurs groupes ethniques, les Peuls, les Bambara, les Malinkés essentiellement. Io sono un antropologo, specialista in Africa dell'Ovest, in particolare Mali, Costa d'Avorio, Guinea Conakry. Il mio primo lavoro ha consistito nel decostruire la nozione di etnia, ossia mi sono concentrato sullo studio di alcuni gruppi etnici come i Peul, Bambara e Malinké in particolare. E c'est pour cela que j'ai été amené à utiliser la notion de métissage. En effet, contrairement à ce qu'on m'avait appris sur les bancs de l'université, à la Sorbonne, au lieu de, dans la région où j'ai travaillé, dans le sud du sud-ouest du Mali, au lieu d'être confronté à des groupes ethniques fermés, figés, distincts, bien distincts les uns des autres, j'ai pu constater à travers mes enquêtes de terrain qu'en fait, ces groupes étaient flous, labiles, souples et qu'on pouvait changer relativement facilement d'identité. In realtà ho utilizzato la nozione di meticciato. Contrariamente a quanto avevo studiato all'università, mi sono reso conto, lavorando sul terreno, quindi in questi paesi del sud-ovest africano, come il Mali in particolare, che nello studiare questi gruppi etnici immaginavo di trovare dei gruppi molto chiusi fra di loro, non interconnessi. Invece mi sono reso conto del contrario, che questi gruppi sono estremamente flessibili, mobili, e quindi che si poteva cambiare abbastanza facilmente di identità. Par exemple, des groupes, des familles, des clans, des lignages pouvaient changer d'identité, pouvaient changer de nom de famille, de nom de clan. Ils pouvaient changer d'identité ethnique aussi, par exemple des Peuls devenir Bambara ou Malinké, ou réciproquement. Ils pouvaient changer d'identité politique aussi, passer d'un stade que les anthropologues nomment lignager ou segmentaire à un stade, au stade de la chefferie, du royaume ou de l'État. Ils pouvaient passer du paganisme à l'islam et inversement retourner au paganisme. Enfin, il pouvait passer de l'économie d'autosubsistance, destinée surtout à satisfaire leurs propres besoins, à l'économie marchande et inversement. Quindi mi sono reso conto che i cambiamenti erano possibili. Le famiglie, i gruppi, i clan potevano cambiare nome, potevano cambiare appartenenza, si poteva anche cambiare identità dell'etnia, cioè i Peul potevano diventare Bambara e viceversa. Si poteva anche cambiare l'identità politica, come ad esempio nascere, come si dice, come un'entità segmentata per diventare poi un regno, oppure si poteva passare dal paganismo all'islam e viceversa, oppure da un'economia di autosussistenza ad un'economia mercantile. Tutto questo era possibile. Alors, donc c'est pour ça que j'ai été amené à utiliser la notion de métissage
et de syncrétisme originaire pour désigner ce type de situation, puisque je considère que chaque ethnie, chaque culture, chaque identité est originairement, dès le départ, métisse, composite. C'est une sorte de patchwork. Quindi ho cominciato a usare questa nozione di meticciato, di sincretismo originario, proprio perché ritengo che ogni etnia, ogni cultura, ogni gruppo è meticcio fin dall'origine, è una specie di patchwork. Alors, ce faisant, et c'est important de le signaler, de le souligner par rapport aux études postcoloniales qui prennent de plus en plus d'importance un peu partout, et je suppose aussi en Italie ici. Donc, j'ai utilisé cette notion de métissage, mais dans un sens différent des auteurs postcoloniaux qui parlent de créolisation, d'hybridité, en anglais hybridity, puisque ce sont des auteurs essentiellement américains, nord-américains. Donc, pour moi, la créolisation, l'hybridité ou le métissage n'était pas le résultat de la rencontre entre des cultures exotiques ou primitives, disons, et puis la culture occidentale, puisque pour les auteurs postcoloniaux, c'est cela. Pour moi, le métissage, la créolisation ou l'hybridité était originaire. Questo è un aspetto importante che va sottolineato soprattutto in questo momento, perché gli studi postcoloniali si sviluppano sempre di più, suppongo anche in Europa, e cioè il senso del meticciato è diverso, il mio senso del meticciato è diverso rispetto al senso del meticciato, della creolizzazione o dell'ibridità, come dicono gli americani, che considerano che questi siano il risultato di un incontro tra la cultura esotica e la cultura occidentale. A mio parere non è così, proprio perché, a mio parere, il meticciato è qualcosa di originario, qualcosa che esiste in origine ad ognuno. Alors donc j'ai utilisé cette notion de métissage, de syncrétisme originaire et aussi de chaîne de société pour montrer que justement on pouvait passer insensiblement d'une identité à une autre, que ce soit sur le plan politique, économique ou religieux. Mais alors cette notion de métissage, elle a connu un succès foudroyant, soit sous l'angle de l'hybridité, soit sous l'angle de la créolisation, soit sous l'angle de la notion de métissage. Et je pense ici à des auteurs comme Édouard Glissant pour l'univers francophone, ou bien Omi Baba pour l'univers anglophone, par exemple. Quindi è così che sono arrivato ad utilizzare questa nozione di meticciato, la nozione di catena di società, proprio per dimostrare, per spiegare che si può passare da un'identità all'altra, da un'identità politica a un'altra, economica o religiosa. E questa nozione di meticciato ha avuto un'evoluzione davvero sorprendente. Pensiamo ad esempio all'evoluzione di autori come Édouard Glissant per il mondo francofono, Babar per il mondo anglofono. Alors donc j'ai constaté et j'ai déploré cette floraison de l'utilisation de ces notions de métissage, d'hybridité et de créolisation, à la fois dans le domaine anthropologique, dans le domaine artistique aussi, et dans le domaine de la consommation, du marketing. Donc il y a un marketing, le marketing actuellement, qu'il soit artistique ou qu'il se réfère plus précisément au domaine de la consommation, réfère de façon énorme à la notion de métissage, d'hybridité et de créolisation. E quindi purtroppo è anche con dispiacere che ho visto lo sviluppo estremo di queste nozioni di meticciato, creolizzazione, ibridazione nei settori più vari, settore artistico, economico, ma anche nel marketing, nel consumo vero e proprio. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, dont il était question ici ce matin, on constate de plus en plus que les notions de métissage et de créolisation et d'hybridité sont employées, sont diffusées, notamment à travers la notion de fusion food, par exemple. Et on constate maintenant, par exemple, que la cuisine française, ce qui est, en tout cas le nec plus ultra de la cuisine française, c'est de métisser, par exemple, ou de croiser ou d'hybrider des plats traditionnels comme le cassoulet, par exemple, avec du piment.
E questo lo vediamo, come dicevo, in tutti i settori, questo meticciato, questa creolizzazione, i settori più vari. Ad esempio, pensiamo alla cucina, se ne parlava questa mattina proprio qui. Ebbene, oggi esiste sempre di più la cucina fusion, ossia questa cucina che tende a mescolare i diversi sapori. In Francia, ad esempio, un piatto tradizionalissimo, come potrebbe essere il cassoulet, viene oggi meticciato e a questo cassoulet si aggiunge tanto peperoncino. Alors, on constate ça aussi dans le domaine artistique, puisque, par exemple, à la fois dans le domaine du théâtre, de la littérature, de la chorégraphie, de la danse, des arts plastiques et visuels, on considère que l'art occidental est en quelque sorte est parvenu à une sorte de cul-de-sac, et qu'il est nécessaire de le régénérer, de le rafraîchir, de lui donner une nouvelle vigueur en recourant à des arts exotiques. Anche dal punto di vista dell'arte possiamo riscontrare questo fenomeno, sia nel teatro come nella letteratura, la coreografia, la danza o le arti plastiche. Vediamo sempre di più che l'arte occidentale si trova oggi in una specie di strada senza uscita e quindi è obbligato a rinfrescarsi, diciamo così, a ritrovare vigore utilizzando le arti esotiche. Allora, c'est cette volonté de, ce sentiment d'être arrivé à une sorte de fin de l'histoire pour la civilisation et la culture occidentale, et la nécessité de redémarrer à nouveau sur des bases nouvelles, qui fait recourir à cette notion de métissage, d'hybridité et de réalisation, et qui fait aussi utiliser des pratiques de croisement et d'hybridité pour parvenir à ce but. Ed è proprio quindi questa sensazione di essere arrivati alla fine della storia che vive sempre di più la civiltà o la cultura occidentale che fa sì che si sviluppino sempre di più queste tendenze al meticciato, alla creolizzazione, e quindi è questo che porta agli incroci, proprio perché sembra essere l'unica via per arrivare ad una soluzione. Alors évidemment, il est malaisé d'une certaine façon de critiquer ces notions de métissage, d'hybridité, de créolisation. Surtout sur le plan politique, quand on se situe à gauche. Quand on se situe à gauche, on est enclin à utiliser ces notions, notamment dans le cadre du multiculturalisme. Il y a toute une partie de la gauche, notamment en France, mais je pense aussi en Italie, qui veut se servir du multiculturalisme pour contrer les politiques ou les mots d'ordre racistes qui sont énoncés par la droite, et ça vaut, me semble-t-il, aussi bien pour la France que pour l'Italie. È un po', come dire, delicato criticare questo concetto del meticciato, dell'ibridazione, della creolizzazione, soprattutto se si parte da una corrente politica di sinistra, perché questa parte politica, la sinistra, usa tendenzialmente questa nozione per cercare di giustificare, di sostenere il multiculturalismo, e questo lo fa per affrontare, diciamo, per opporsi ai propositi talvolta xenofobi o razzisti della destra. Par exemple, face au discours de droite en France, par exemple, qui met l'accent sur les Français de souche, hein, les Français de pure origine, de pure stock, comme c'est le cas actuellement avec Nicolas Sarkozy, l'attitude multiculturelle qui veut mettre en avant la composition diverse et variée de la population française, le fait qu'il y ait des Noirs, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait des Maghrébins ou des Tziganes, etc. en France, évidemment, est une attitude généreuse qu'il est difficile de critiquer d'emblée. Quindi, facciamo l'esempio della Francia. Il governo attuale del presidente Sarkozy sostiene il valore dei francesi d'origine, i francesi veri, puri, e naturalmente a questo si oppone l'atteggiamento multiculturale della sinistra, che sostiene invece il valore della varietà della composizione della popolazione francese, composta appunto da arabi, da persone di colore, da francesi locali. Insomma, per questo dico che è un po' delicato opporsi a questo concetto di multiculturalismo, perché naturalmente si tratta di un atteggiamento molto generoso, quello di questa sinistra.
Surtout que c'est sur la base de ces politiques, enfin de ces points de vue multiculturalistes ou de ceux qui s'appuient sur le métissage, l'hybridité et la cruellisation qu'on met en place les politiques de discrimination positive qui visent à promouvoir justement les groupes qui sont discriminés, comme enfin en France, comme on dit, les blacks, les beurs, enfin les noirs, les arabes, mais aussi les gays, enfin tous les groupes, les sourds-muets, etc., tous les groupes qui font l'objet de discrimination. Mais le problème, c'est qu'en mettant l'accent sur la discrimination de groupes particuliers, singuliers, on oublie aussi les problèmes d'exploitation. Per questo dicevo che è difficile, perché questi atteggiamenti multiculturali che sostengono il multiculturalismo sono quelli che consentono di sviluppare protezioni o aiuti per le popolazioni discriminate, quello che si chiama la discriminazione positiva, ossia si cerca di aiutare i gruppi svantaggiati, le persone di colore, i francesi che provengono da un'immigrazione, quindi le seconde generazioni, oppure i gay o i disabili. Il problema però è che quando si sottolineano troppo, quando si sottolineano eccessivamente queste discriminazioni che colpiscono alcuni gruppi, si rischia di dimenticare il concetto di sfruttamento. Oui, c'est effectivement ces politiques multiculturelles axées sur la créolisation, l'hybridité, le métissage mettent l'accent sur les entailles, les découpages verticaux au sein de la société au détriment des découpages horizontaux, des vieux découpage de classe, enfin, et donc d'une certaine façon, je crois, c'est aussi une manière d'oublier tous ces phénomènes liés à l'existence du capitalisme. Queste politiche quindi sottolineano quelle che oggi vengono definite le spaccature verticali della società, dimenticando però le vecchie spaccature orizzontali, ad esempio la divisione in classi, dimenticando quindi l'eredità del capitalismo. Alors c'est pour cela que pour ma part j'ai décidé à renoncer à utiliser la notion de métissage, pas au sens du syncrétisme originaire, parce que je persiste à penser que chaque culture, chaque ethnie, chaque identité est originairement métisse et originairement composite, c'est un patchwork, mais parce que précisément je crois que le métissage, la notion de métissage, de créolisation et d'hybridité charrie avec elle tout un arrière-plan biologique. È per questo quindi che ho deciso di non utilizzare più questa nozione di meticciato, creolizzazione o ibridazione. Non perché abbia cambiato idea, ma perché sono convinto, e questo lo ribadisco, che ogni cultura, ogni etnia e ogni identità è fin dalle sue origini meticcia, un patchwork, come dicevo prima. Però credo che il concetto di meticciato, creolizzazione e ibridazione porti con sé un bagaglio biologico. En effet, pour métisser, pour hybrider, pour créoliser, il faut supposer au départ, comme nous l'enseigne la zoologie ou les spécialistes de l'élevage, il faut sélectionner au départ des races ou des cultures pures. Pures. Mi spiego. Perché dico che c'è un bagaglio biologico? Perché per meticciare, per ibridare, come ci insegnano gli allevatori, ad esempio di bestiame, bisogna in primis selezionare delle razze pure. Alors que ça peut être dans le domaine animal, la race chevaline, bovine, ovine, et sinon c'est le domaine justement des cultures, des identités et des ethnies. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, sélectionner des races, des lignées ou des cultures pures, pour ensuite hybrider et produire des métis ou des hybrides. Il faut ensuite croiser pour produire des hybrides ou des métis. Quindi questo avviene per i cavalli, per ogni genere di animale, ma se ci rifacciamo invece all'aspetto culturale, identitario o etnico, questo significa che bisogna innanzitutto selezionare una razza pura e poi le razze pure incrociarle fra di loro per arrivare ad avere degli ibridi o dei meticci.
Donc le métissage, paradoxalement, il y a un paradoxe du métissage, c'est de renforcer finalement, en définitive, l'existence de la croyance en des races ou en des cultures pures, puisque les cultures, en fait, sont des substituts. C'est un substitut de la notion de race. La notion de culture ou d'ethnie est un substitut de la notion de race ou d'identité, d'ailleurs. C'est la même chose, pour moi. Quindi qual è il paradosso di questa, tra virgolette, politica del meticciato? È proprio quella di consolidare l'idea, di rinforzare l'idea o la credenza che esista una razza o più razze pure, e quindi una razza o cultura pura, razza o cultura che a mio parere è la stessa cosa, visto che uno è sostituto dell'altro. Alors c'est pour cela que à la place de la notion de métissage ou de logique métisse, hein, il y a un de mes livres qui s'appelle Logique et Métice en italien, j'ai préféré lui substituer la notion de branchement qui a donné en italien connessioni. Et par connessioni, qu'est-ce que je veux dire? Par branchement, qu'est-ce que je veux dire? C'est je conserve l'idée de chaîne de société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser, prendre en compte une seule culture, une seule identité ou une seule ethnie indépendamment de ses voisines. Il faut analyser tout un ensemble de sociétés voisines ou de sociétés, de cultures, d'ethnies ou d'identités voisines, si l'on veut comprendre comment ces identités fonctionnent ou se formatent. Quindi, invece di utilizzare il concetto di logica meticcia, ho scritto un libro in italiano, è stato tradotto proprio con logiche meticce, io credo che bisogna appunto sostituire questo concetto con il concetto di connessioni, branchement in francese. Cosa sono queste connessioni? Ebbene, secondo me le connessioni spiegano l'esistenza di una catena di società e quindi non si può analizzare una sola cultura, una sola etnia o una sola identità per capirne il significato, ma bisogna farlo considerando tutte quelle che le sono accanto, tutte le altre società, le altre culture, e soltanto così, analizzandole in gruppo, si può capire ognuna di esse. En fait, il n'y a pas d'identité pure, originaire, fondamentale qui correspondrait par exemple justement à ce qu'on entend par français de souche ou bien italien de souche. Ou bien Padan, ou etc. C'est un exemple parmi d'autres. N'attachez aucune importance à ce que je viens de dire. Et je pense que chaque identité, en fait, est recours à un réseau de... C'est justement, c'est en cela que ça a un rapport avec la notion de chaîne de société, recours à un réseau de signifiants globaux, hein, c'est-à-dire... beaucoup plus large que l'unité culturelle, ethnique ou identitaire locale, donc un réseau de signifiants globaux pour définir des signifiés locaux. Quindi questo per dire che non esiste un'identità pura, un'identità originale o fondamentale, non esiste il francese puro, l'italiano puro o il padano, ad esempio, questo è soltanto un esempio ininfluente. Semplicemente per dire che ogni identità è legata ad una vera e propria rete, da qui nasce il concetto appunto della catena di società, una rete composta da significanti globali che bisogna analizzare per arrivare a comprendere qual è la definizione del significato locale. Bon, on a des tas d'exemples de cela, mais on tend à l'oublier. Enfin, en tout cas, les idéologues de droite, particulièrement, ne veulent pas être conscients de ce type de phénomène. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, du baseball, qui est le sport national au Japon, ou bien encore un autre exemple qui concerne la France. Par exemple, le couscous est devenu une sorte de plat national en France. Hein. Désormais, au lieu du poulet, par exemple, que l'on mangeait traditionnellement le dimanche à table en famille, eh bien, dans beaucoup de familles françaises, maintenant, on mange du couscous, donc, qui est un plat originaire du Maghreb. Et même, je me souviens, lorsque l'une des premières fois où je suis venu en Italie, on m'a raconté cette blague qui concerne la ville de Turin, où dans le cadre d'une association, un prêtre qui s'occupait de jeunes, d'enfants issus de l'immigration maghrébin, entre autres, eh bien, avait organisé une journée, une espèce de fête pour laquelle il avait fait préparer du couscous, justement, pour ses enfants de familles marocaines, tunisiennes ou algériennes.
Et les enfants s'étaient alimentés. Et à la suite du repas, le prêtre avait demandé à l'un de ses enfants s'il avait apprécié le couscous. Et l'enfant lui a répondu, à sa grande surprise, oui, c'était bon, mais il n'a pas été du tout préparé comme le prépare ma mère, puisque ma mère, elle prépare le couscous avec des pâtes. Ci sono molti esempi che possono spiegare il mio approccio, degli esempi che molto spesso gli ideologi, in particolare di destra, fanno fatica ad ammettere. Pensiamo semplicemente al fatto che il baseball è diventato lo sport nazionale in Giappone, oppure il fatto che in Francia oggi, invece di fare come si faceva prima, che la famiglia si riuniva intorno al tavolo la domenica e mangiava il pollo, ebbene oggi queste famiglie mangiano il couscous, che invece è un piatto originario del Maghreb. La prima volta che sono venuta in Italia mi è stato raccontato un aneddoto che è successo vicino a Torino. Un sacerdote aveva organizzato un incontro fra bambini immigrati, in particolare quindi anche bambini di provenienza maghrebina, ed era stato offerto loro un pranzo e in questo pranzo c'era il couscous. A un certo punto il sacerdote ha chiesto ai bambini se avevano amato il couscous e un bambino gli ha risposto: sì, mi è piaciuto, però mia mamma lo fa meglio perché ci mette la pasta. Donc on ne peut pas a priori définir l'identité d'un trait culturel par son origine. Il y a une espèce d'arbitraire des signes identitaires selon les différentes cultures. Chaque culture se formate en empruntant un réseau plus ou moins large ou restreint de signifiants, la façon de définir sa propre configuration, sa propre forme. Et ça, c'est important pour contrer, justement, pour s'opposer à toutes les formes de fondamentalisme, qu'ils soient religieux, culturels, ethniques ou politiques. Quindi non si può definire un'identità basandosi sulla sua origine. Ogni cultura si forma prendendo qua e là diversi significanti ed è così che ogni cultura riesce a configurarsi. Questo aspetto è molto importante da considerare soprattutto quando è necessario far fronte ai diversi fondamentalismi che possano essere religiosi, culturali, etnici o politici. Alors, dans cette perspective, que devient la notion de métissage? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le même temps où les anthropologues et les spécialistes de sciences sociales ou aux États-Unis, ce qu'on appelle les cultural studies ou les post-colonial studies, mettaient en avant les notions d'hybridité ou de créolisation, qu'en est-il des populations elles-mêmes qui sont concernées par cette question du métissage? Alors, de façon assez surprenante, on peut constater, et dans le cadre du... Vous savez qu'il y a une espèce actuellement de renouveau, enfin depuis même pas mal d'années, de renouveau indigéniste dans un certain nombre de continents, sur un certain nombre de continents et de pays, particulièrement en Amérique latine. Quindi cosa avviene a questa nozione di meticciato? Non ci si chiede mai, non ci si è chiesti che cosa è successo mentre gli antropologi, mentre gli esperti di scienze sociali, come in America ad esempio, parlavano tanto e sottolineavano questo concetto, questa nozione di ibridità, di creolizzazione, che cosa è successo concretamente alle popolazioni? Ebbene, da un po' di anni c'è una sorta di rinnovamento indigeno, se possiamo definirlo così, in diversi continenti, paesi, in particolare in America Latina. Oui, on constate que de plus en plus, justement, il y a une espèce d'émergence de ces revendications identitaires verticales, comme je les appellerais, qui concernent bien sûr les Indiens, les Amérindiens, les Indiens des Amériques, ou les Esquimaux, ce qu'on appelle les Inuits, par exemple. Sempre di più vediamo che c'è una vera e propria emergenza di queste rivendicazioni identitarie verticali, come amo definirli. Mi riferisco ad esempio agli indiani d'America o agli esquimesi. Alors, donc, dans le cadre de ce mouvement indigéniste, en s'appuyant sur les politiques et les mesures qui ont été prises par les organisations internationales comme les Nations Unies et, ou plus particulièrement l'UNESCO, et notamment la convention 169 de l'Organisation internationale du travail
qui date de 1989 et qui invite les peuples autochtones ou indigènes, c'est la même chose, à formuler leurs revendications économiques en termes de en termes de revendications collectives, eh bien un certain nombre de mouvements, d'ONG, d'associations ont vu le jour sur le continent, sur les continents américains. Quindi basandosi su politiche, su una serie di misure fomentate dalle organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNESCO, in particolare la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1989, si è iniziata ad invitare queste popolazioni autoctone o indigene, che in fondo è la stessa cosa, a presentare le loro rivendicazioni economiche dal punto di vista collettivo. Quindi sono nate, si sono sviluppate sempre di più delle organizzazioni o associazioni che appunto presentano queste rivendicazioni, e questo nei vari, insomma, nei continenti americani. E allora, dans ce processus, justement, de constitution de groupes indigènes ou autochtones, eh bien, les anthropologues ont joué un rôle éminent. Quindi in questa costituzione di gruppi indigeni o autoctoni, gli antropologi hanno svolto un ruolo importante. E c'est notamment le cas d'anthropologues prestigieux comme Alfred Métraux et surtout l'anthropologue français le plus fameux, Claude Lévi-Strauss, qui ont œuvré dans le sens de la reconnaissance de la spécificité des peuples autochtones. Quindi per sottolineare, per riconoscere la specificità dei popoli autoctoni, si sono impegnati antropologi famosi come Alfred Métraux, Claude Lévi-Strauss per la Francia. Alors donc ils ont mis en œuvre justement cette notion de peuples autochtones contre les vues universalistes qui prévalaient au sein de l'UNESCO, et en liaison avec les politiques et les mots d'ordre de l'UNESCO sur sur l'homme et la biosphère, sur la biodiversité et sur le patrimoine culturel immatériel. Quindi questa nozione di popoli autoctoni è andata ad opporsi all'universalismo tanto sostenuto da organizzazioni internazionali come l'UNESCO, basati su concetti come l'uomo e la biosfera, la biodiversità o il patrimonio culturale biologico. Alors on trouve justement cette conception des peuples autochtones vus comme des cultures figées, repliées sur elles-mêmes, discrètes au sens mathématique, dans les œuvres de Lévi-Strauss, les plus fameuses, comme « Race et histoire » et « Race et culture ». Quindi questa concezione di popoli autoctoni quasi immobili, chiusi in loro stessi, la ritroviamo nelle opere più note di Claude Lévi-Strauss come Razza e storia, razza e cultura. Alors, Lévi-Strauss en fait développe une conception véritablement anthropologique de la ou des cultures. Par anthropologie, je veux pas dire anthropologie au sens où moi je suis, ou un certain nombre d'autres ici sont anthropologues, mais anthropologique en l'écrivant ENTROPOLIGIQUE, au sens de l'entropie. Ah, d'accord. Anthropologique. E quindi Lévi-Strauss ha sviluppato questo concetto di antropologia, di cultura, non dal punto di vista nostro, diciamo, mio in quanto antropologo o dal punto di vista degli antropologi come voi, ma dal punto di vista dell'antropia. Donc il y a une espèce d'anthropologie de Lévi-Strauss, hein, au sens de l'entropie, c'est-à-dire, moi personnellement je me situerais plutôt du côté opposé, c'est-à-dire je suivrais plutôt les idées du chimiste français Lavoisier, au sens de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Io mi collocherei piuttosto a un lato completamente opposto, seguendo più che altro il pensiero del chimico Lavoisier, che diceva nulla si perde, nulla si crea e tutto si trasforma. Moi, je serais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Carnot, qui était un physicien,
et qui plutôt Lévi-Strauss est plutôt de l'autre côté, du côté de Carnot, qui est un physicien et qui est le père de l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, entropie, je suppose que ça se dit comme ça en italien. Oui. Et donc, c'est l'idée que dans un système clos, les conditions se dégradent. Mentre invece Lévi-Strauss si colloca piuttosto dal punto di vista del fisico Carnot, quindi dell'entropia, secondo cui in un sistema chiuso le condizioni finiscono per degradarsi. Donc il y a cette idée qui a été propagée par Alfred Métraux, par Lévi-Strauss et par d'autres aussi, que les cultures autochtones ou indigènes, les cultures des peuples autochtones ou indigènes se dégradent. Se dégradent parce qu'elles sont agressées par la culture occidentale et donc il faut les sauvegarder. Quindi c'è questa idea appunto di Lévi-Strauss fra gli altri che dice che le culture autoctone o indigene rischiano di degradarsi e quindi bisogna assolutamente proteggerle dall'aggressione delle culture occidentali. Il faut les sauvegarder comme il faut sauvegarder la biodiversité, donc il y a une espèce d'équivalence qui est établie entre biodiversité et diversité culturelle. Bisogna salvaguardarle, quindi bisogna proteggerle come bisogna proteggere la biodiversità e quindi si crea una specie di equivalenza tra la biodiversità che deve essere tutelata e questa diversità culturale. Donc la tâche de l'anthropologie ce n'est plus d'étudier les cultures exotiques mais c'est de les sauvegarder, de venir à leur secours. Et donc il y a une espèce, de plus en plus on constate que les anthropologues, notamment en Amérique latine mais pas seulement, s'identifient totalement aux cultures qu'ils étudiaient autrefois. Quindi l'antropologo oggi non tende più a studiare le culture esotiche quanto a proteggerle. È quello che succede ad esempio con gli antropologi dell'America Latina che tendono sempre di più a identificarsi con le culture che prima studiavano. Or les cultures ne sont pas bien sûr qu'elles sont menacées par les cultures autochtones ou indigènes sont menacées par la culture occidentale, mais ce qui veut pas dire qu'elles sont irrémédiablement vouées à la disparition. Non si può negare, senza dubbio, che queste culture autoctone siano minacciate dalla cultura occidentale, ma questo non significa che scompariranno. Mais c'est cette idée dont se sont emparés les peuples autochtones et indigènes, parce que évidemment ça correspond à leurs intérêts économiques et politiques. Però questa idea l'hanno assorbita queste popolazioni autoctone proprio perché permette di seguire i loro interessi economici e politici. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, les associations indigènes ou autochtones ou les ONG locales en Amérique latine ou ailleurs refusent totalement la notion de métissage. Ed è proprio per questo che il concetto di meticciato viene assolutamente rifiutato dalle associazioni indigene, autoctone o dalle ONG locali. Et refusent la notion de métissage parce que précisément si elles se définissaient comme si ces peuples se définissaient comme métis, ça compromettrait leurs revendications en termes de droits sur les terres ou de droits politiques. E questo perché se accettassero l'idea del meticciato vorrebbe dire che dovrebbero considerarsi come società meticce e quindi questo comprometterebbe le loro rivendicazioni territoriali o politiche. Par exemple, les Indiens des États-Unis ont tout intérêt à mettre en avant leur indianité, une indianité pure, pour réclamer des terres afin d'y installer des casinos qui leur apportent beaucoup. Des casinos? Oui. Ad esempio, gli indiani d'America traggono soltanto un vantaggio dal sostenere che sono indiani puri, perché così riescono a recuperare le loro terre sulle quali si possono aprire dei casinò ed è una cosa che permette loro di arricchirsi notevolmente. Ou parce qu'ils veulent revendiquer des droits sur le sous-sol, les gisements d'hydrocarbures ou des gisements miniers d'une autre sorte. Oppure sempre per reclamare le terre per i diritti del sottosuolo dove ci sono spesso giacimenti di idrocarburi. D'où l'utilisation par ces groupes autochtones ou indigènes, et on revient un peu à l'autre conférence de ce matin, l'utilisation de l'ADN pour prouver leur filiation directe par rapport à un ancêtre autochtone ou indigène.
E quindi, come si diceva questa mattina, questi gruppi autoctoni o indigeni ricorrono sempre di più all'uso del DNA per dimostrare che avevano un antenato autoctono indigeno. Par exemple, les Africains, certains Africains américains qui sont en procès avec des sociétés qui sont les héritières des sociétés qui ont effectué la traite des esclaves entre l'Afrique et le Nouveau Monde, grâce à l'ADN, peuvent prouver, par exemple, qu'un de leurs ancêtres était originaire de telle ou telle région ou ethnie d'Afrique. Ad esempio, gli africani d'America, in questo momento in cui ci sono questi processi con le società che si occupavano della tratta degli schiavi, grazie al DNA possono dimostrare che avevano un antenato che era uno schiavo africano. Et donc le métissage est renié, dénié par beaucoup de ces groupes, alors qu'on sait très bien, par exemple, que ceux qui se revendiquent comme Africains, Américains aux États-Unis, ou ceux qui se revendiquent comme Américains, Indiens, se sont depuis longtemps intermariés, mariés avec des gens d'autres groupes, avec les Africains, Américains, avec des Indiens ou avec des Latinos, etc. Donc ce ne sont pas des gens qui descendent en droite ligne des esclaves, par exemple, qui sont arrivés sur le sol américain. Quindi queste persone che rifiutano il concetto di meticciato, in realtà si sa benissimo che poi si sono mescolati quelli che rivendicano tanto la loro appartenenza all'etnia africana d'America oppure gli indiani, in realtà poi nel corso della storia si sono mescolati, si sono sposati gli uni con gli altri, si sono mescolati i gruppi, ad esempio anche con i latini, quindi nessuno di loro discende in linea retta da uno schiavo per il caso degli africani. Donc les plus fondamentalistes sur le plan ethnique, culturel, identitaire, ce sont les groupes autochtones, entre parenthèses, entre con la virgolette, autochtones ou indigènes eux-mêmes. Quindi i più fondamentalisti sono proprio, tra virgolette, questi gruppi autoctoni, questi gruppi indigeni. Mais alors, paradoxalement, là aussi, certains groupes, par exemple, certains groupes d'Amérindiens au Québec, au Canada, se revendiquent comme métis. Paradossalmente ci sono alcuni gruppi indiani d'America in Canada che rivendicano il fatto di essere meticci. Alors là, c'est au contraire le fait d'être métis, ça veut dire dans ce cas-là qu'on n'appartient pas au groupe des blancs purs, mais qu'au contraire qu'on a du sang indien dans les veines. In questo caso però essere meticcio significa non essere un bianco puro, ma avere del sangue indiano nelle vene. E donc ça permet dans ce cas-là aussi, mais sur des bases différentes, de revendiquer des droits sur les terres ou de revendiquer des droits plus généralement des droits économiques. Anche qui, quindi, seppure in misura diversa, l'obiettivo è quello di rivendicare dei diritti sulle terre o comunque dei diritti economici. Alors donc ça veut dire tout ça que la notion de métis ou de métissage, on ne peut pas définir a priori ce qu'il en est. Enfin, on ne peut pas donner un sens univoque à la notion de métissage. Tutto questo per dire che non si può attribuire un senso univoco alla nozione di meticciato. La notion de métissage est multiple, diverse, variée, et donc il faut examiner le contexte d'utilisation de la notion de métis dans chaque cas, dans chaque société, et c'est chaque société qui donne la clé de la signification du concept de métissage. E questo perché il concetto di meticciato è diverso, è vario, quindi per comprenderlo bisogna esaminare ogni contesto nel quale viene utilizzato, ogni caso, ogni società sarà quella che poi darà la chiave del significato di meticciato. Je vous remercie. Grazie. Si je comprends pas, je vous le dis.
ricordarci per cortesia il significato del concetto di creolizzazione? Grazie. Alors le concept de créolisation, en fait, il vient surtout d'Edouard Glissant, que vous connaissez peut-être, qui est un poète et écrivain martiniquais des Antilles françaises. Et ce que veut dire Glissant, c'est que les sociétés antillaises sont des sociétés créoles, des cultures créoles. Pourquoi ? Parce que sont des sociétés ou des cultures qui n'ont pas d'ancestralité. Les Antillais n'ont pas d'ancestralité, les Martiniquais n'ont pas d'ancestralité, mais plus généralement les Antillais. Pourquoi ? Parce que leur seule identité, selon Glissant, hein, leur seule identité, c'est le bateau négrier qui les a amenés jusqu'aux Antilles, jusqu'au Nouveau Monde, d'une part. Deuxièmement, c'est le monde de la plantation qui leur a donné leur identité. Donc la seule identité des Antillais, c'est une identité, radiée. C'est pas une identité pleine et entière comme celle que peuvent avoir, par exemple, les Français ou les Italiens, par exemple. Et c'est pour ça que Glissant distingue deux types de cultures. Alors, d'abord, les cultures, la créolisation, ça s'applique aux cultures antillaises, mais ça s'applique plus généralement à la globalisation en général. Hein. C'est-à-dire que dans le cadre de la globalisation actuelle, avec le mélange général de toutes les cultures dû aux migrations de travail, dû au tourisme, etc., c'est la mescolanza, hein, c'est le mélange de toutes les cultures. Bon. Mais par ailleurs, Glissant distingue deux types de cultures. Donc les cultures créoles d'une part, antillaises mais aussi globales, et des cultures ataviques. Alors les cultures ataviques, c'est quoi ? C'est par exemple les cultures africaines, tribales, disons, qui ont dans les cultures africaines, on a toujours un ancêtre auquel on peut se référer, même si cet ancêtre est mythique. Ça peut être un ancêtre qui est à 4. Ça peut être un ancêtre qui est situé à 15 générations ou à 4 générations, mais on peut toujours se référer à un ancêtre. De la même façon, les Français, par exemple, même s'ils ne descendent pas tous du roi Clovis, ils se réfèrent quand même tous à un roi Clovis qui est censé être le premier roi français. Bon, on pourrait trouver d'autres exemples pour d'autres pays. Alors, évidemment, ça pose problème, cette notion de créolisation, et c'est un peu ça. Je n'ai pas détaillé la position de... Je ne suis pas entré dans le détail de la position de Glissant, mais ça pose un problème, parce que là encore, ça correspond bien à la critique que j'ai faite de la notion de métissage. Pourquoi ? Parce que pour penser la notion de culture créole ou de créolisation, il faut supposer, comme le fait Glissant, l'existence de cultures ataviques. Et il n'y a pas de culture atavique. La culture française n'est pas une culture atavique. Tous les Français ne descendent pas de Clovis. Et tous ne se réfèrent pas, même s'ils n'en descendent pas, ils ne se réfèrent pas à Clovis. La culture française ou la France s'est faite sur la base de migrations successives. Et pas seulement à l'époque contemporaine, parce que à l'époque contemporaine, en France comme en Italie, il y a des gens qui viennent de partout, d'Afrique, du Maghreb, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, d'Afghanistan, d'Irak, etc., ou d'Amérique latine. Mais de tout temps, il y a eu, par exemple, on peut montrer, il y a des recherches actuellement qui sont faites pour montrer qu'il y avait un certain nombre de musulmans dans la France de l'Ancien Régime, dans la France d'avant la Révolution. Donc ça, c'est tout à fait... en fait, il y a toujours... Et ce sont les théoriciens, au contraire, d'extrême droite, les démographes français d'extrême droite, qui oppose la période de l'Ancien Régime pendant laquelle il y aurait une immigration de qualité, seuls des nobles, des aristocrates seraient venus s'installer en France, à une immigration de quantité qui serait apparue à partir du début du XXe siècle, où là, ce sont les gens devenus de partout, des gens peu recommandables, des Africains, des Maghrébins, des métèques, comme ils disent, qui seraient parvenus sur le sol français. Ça, c'est un peu long, peut-être. Il concetto di creolizzazione è il concetto, sì, ne ho parlato prima, sebbene molto brevemente, sostenuto da Edouard Glissant, non so se lo conoscete, e si riferiva in particolare alla Martinica, alle Antille francesi.
Secondo lui c'era la società delle Antille francesi era una cultura creola perché non ancestralizzata, ossia perché secondo lui questa la popolazione delle Antille è una popolazione che deve la sua identità soltanto a due elementi: le barche dei negrieri che li hanno condotti lì e il mondo della piantagione che ha dato loro la loro identità, appunto. Questo concetto però è un concetto al quale poi ci si è opposti, ossia, mi spiego, questo concetto di creolizzazione per le Antille può essere considerato valido, così come quello della globalizzazione, così come la vera e propria mescolanza di culture che oggi avviene per questioni professionali o per questioni di turismo, eccetera. Però, sempre per riprendere il discorso di Glisson, che sosteneva appunto questa valenza della cultura delle Antille, egli la sostiene basandosi sul fatto che questa cultura non è una cultura atavica e quindi presuppone l'esistenza di una cultura atavica. Che cos'è una cultura atavica? Ad esempio possiamo riferirci alle culture di alcuni paesi africani, a queste culture tribali nelle quali è sempre facile riferirsi ad un antenato che spesse volte è mitico, che si fa risalire a 15 generazioni prima, eccetera. Possiamo vederlo ad esempio nel caso francese, ma non tutti i francesi si riferiscono a un re che è stato il re Clovis, che può essere stato il re originario, il primo re di Francia. Quindi tutto questo per dire che questa idea di creolizzazione crea comunque una serie di difficoltà, proprio perché per giustificarla bisogna partire dal principio che esistano delle culture ataviche, cosa che appunto non è affatto scontata, perché a mio parere non esistono queste culture ataviche. Ora, la Francia stessa è un paese che è il risultato di una serie di migrazioni successive che ci sono state, non solo ora, queste migrazioni non avvengono soltanto nel nostro periodo, né in Francia né in Italia, non ci sono soltanto persone che vengono dall'Africa, dall'America Latina, dall'Asia, dall'Afghanistan, dall'India, eccetera, che creano il nostro paese, ma è stato dimostrato anche che in Francia, ad esempio, prima della Rivoluzione francese, c'erano già delle popolazioni musulmane, cosa che però tendono a dimenticare, ad esempio, i teorici dell'estrema destra che sostengono che invece prima della rivoluzione l'immigrazione che c'era era soltanto una migrazione di qualità, quindi erano soltanto nobili e aristocratici che venivano ad installarsi in Francia, mentre invece oggi purtroppo c'è un'immigrazione di quantità dal XX secolo in poi, composta appunto da afghani, maghrebini, africani, eccetera, eccetera. Bravo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiederle questo. Al di là delle strumentalizzazioni di cui mi pare lei abbia accennato rispetto all'essere a favore o meno di un meticciamento, quindi rivendicazioni di alcuni gruppi che appunto lo rivendicano per ragioni in ultima analisi di un tornaconto personale, che quindi essendo delle rivendicazioni strumentali mi pare che non abbiano nessuna, possono avere una rilevanza statistica ma non hanno una rilevanza dal punto di vista scientifico. Io credo che sia importante, almeno è una domanda che mi pongo, è importante sottolineare il fatto che debba esistere un'uguaglianza nella differenza, cioè mi pare che annullare completamente le differenze possa essere un limite altrettanto grande che nel pretendere che queste differenze siano ontologiche e quindi esistenti a prioristicamente e non possano essere in qualche modo colmate. Non so se è chiara la mia domanda. Com'è possibile, secondo lei, coniugare questa necessità di una differenza, secondo me, sana, che fa bene all'essere umano, con la necessità che questa differenza non diventi una differenza ontologicamente vissuta e quindi dannosa? Alors moi je crois que, si j'ai bien compris votre question, je crois que les différences, elles s'expriment de toute façon. Par exemple, lorsque, et je crois qu'il faut pour cela se référer à l'analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle, bon, je me réfère ici aux travaux de l'ethno-linguiste ou l'ethnométhologue John Gumpertz, qui est un Américain. Et je crois que
il n'est pas question de nier l'existence des identités ou des différences culturelles, mais je pense qu'il faut les replacer dans le cadre des conversations qui peuvent s'établir, et on peut partir d'ailleurs du niveau inter-individuel. Lorsque je discute avec vous, par exemple, si on discute tout à l'heure, ou même en ce moment d'ailleurs, je définis, que je le veuille ou non, une identité, et vous définissez, enfin, vous avez défini votre identité en posant votre question, et moi je définis mon identité en vous répondant. Et si on poursuit la conversation, en public ou en privé, plus tard, vous allez continuer à définir votre identité, vous allez vous positionner par rapport à moi, moi je vais me positionner par rapport à vous, et ces différents positionnements temporaires vont définir à chaque fois des identités. Hein, c'est-à-dire que nos identités, elles vont évoluer en fonction du positionnement de l'autre. Hein. Donc il va y avoir des positionnements réciproques qui évoluent et qui vont évoluer au fil du temps, tant que durera la conversation, tant que durera l'échange linguistique, pas seulement linguistique, mais aussi corporel, puisque quand on discute avec quelqu'un, on exprime des langages ou un langage corporel, hein, surtout en Italie d'ailleurs, pas seulement, mais surtout en Italie, hein, avec les mains notamment. Bon, face à c'est un stéréotype. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de cet échange linguistique, corporel, etc., se définissent des positions identitaires, qui sont changeantes, mouvantes, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ces positions ne soient pas figées, ne soient pas considérées comme justement des positions ontologiques, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire définies une fois pour toutes, gravées dans le marbre. Il n'est pas question de nier l'existence des identités, il n'est pas question de dire « moi, je ne peux pas me revendiquer comme noir, comme maghrébin, comme juif, comme italien, comme français, etc. » mais à condition que ces identités puissent circuler dans un flot continu d'échanges, de conversations linguistiques et corporelles. Ce qui est grave, c'est quand on interrompt le flot, le flux d'échanges identitaires. Si l'identité, c'est un échange, bon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas parler d'identité? Pourquoi ne pas l'accepter comme tel? Il faut bien se positionner, de toute façon, il faut bien se définir par rapport à l'autre et aux autres. Mais ce qu'il faut, c'est que ces définitions réciproques ne soient pas intangibles. Voilà. Je sais pas si... Beh, le differenze si esprimono sempre. Io credo che per analizzare questo punto dovremmo riferirci all'analisi conversazionale, non so se conoscete l'etnolinguista americano Gampers, ossia non bisogna negare la differenza tra le identità, quello che bisogna fare è ricollocarle. Mi spiego, io sto conversando con lei sta conversando con me. Quando lei mi ha rivolto la sua domanda, lei si è collocato e io adesso mi colloco nel dare la mia risposta. Se continuassimo la nostra conversazione più tardi, io continuerei a collocarmi da un certo punto di vista e lei muoverebbe, diciamo, la sua collocazione in base a quello che io le sto dicendo. Questo è il discorso da tenere presente, ossia le identità esistono, bisogna definire le identità, ma queste identità devono evolvere in base alla posizione che assume la persona che abbiamo davanti a noi. E questo è qualcosa che avviene continuamente negli scambi linguistici, ma anche dal punto di vista del linguaggio del corpo, perché non dobbiamo dimenticarlo che il corpo ha un suo linguaggio, in particolare in Italia, voi gesticolate molto. Quindi questo scambio non si deve mai interrompere, questo è l'aspetto fondamentale. Si debbono definire delle posizioni identitarie, ma l'importante è che queste posizioni identitarie non rimangano, non siano appunto ontologiche, come dice lei, che non rimangano fisse, rigide. E non bisogna, non si può peraltro negare l'esistenza di un'identità. Io sono francese, lei è italiano, c'è la persona di colore, eccetera. Però quello che bisogna fare è far sì che questo flusso non si interrompa, che ci sia un flusso continuo di scambio di identità, che non si interrompa mai. Ed è proprio così che bisogna cercare di evolvere, quindi definire la propria identità in base all'identità degli altri, affinché non ci si irrigidisca e questa definizione di identità non diventi mai intangibile.
buonasera. Buonasera. A Parigi è stato di recente, qualche anno fa, aperto un museo che ha avuto un effetto sorprendente, no? Non si è neanche riuscito a trovargli un nome, si chiama Museo di Quebran Lee, dal punto dov'è. Questo museo espone oggetti d'arte dell'ex colonie, piace molto al pubblico, sfiora quasi i nostri Uffizi, 1.200.000 visitatori. Sì, sì. 6 milioni. Però è molto criticato da suoi colleghi perché molti dicono che espone oggetti ancora con la categoria estetiche occidentali. Il compleanno di Lévi-Strauss a 100 anni è stato celebrato lì. Lei che cosa ne pensa di questo museo? Alors, je suis très critique, bien sûr, enfin pas bien sûr, mais je suis très critique à l'égard de ce musée où je ne suis allé que 2 fois d'ailleurs. Parce que, bien que j'ai été invité à participer à certaines manifestations organisées par le Quai Branly, je ne suis allé qu'une fois pour voir, parce que j'avais écrit un article contre le Quai Branly dans le magazine Le Nouvel Observateur, alors que je ne l'avais pas vu, c'était avant l'inauguration. Donc je me suis dit quand même, il faut que j'aille le voir, puisque j'ai écrit contre. Et je suis allé une deuxième fois au Quai Branly pour voir l'exposition sur Tarzan, parce que la revue américaine African Arts m'avait demandé de faire un article sur cette exposition. Et j'ai trouvé que cette exposition symbolisait bien la philosophie du Quai Branly. Tarzan, ça symbolise bien la philosophie du Quai Branly. Et donc j'ai écrit un article là-dessus qui est paru d'ailleurs en anglais, mais qui va paraître en français et peut-être en italien bientôt. Et non, ce que je trouve... votre question est tout à fait intéressante et pertinente parce qu'elle embraye bien sur ce que j'ai dit à propos de Lévi-Strauss et la notion de peuple autochtone. C'est-à-dire, en fait, ce musée est un musée des arts. Il s'est appelé d'abord musée des arts premiers, ensuite musée des arts et civilisations, musée des arts primitifs. Et puis, comme ces dénominations gênaient tout le monde, on a pris un signifiant vide, c'est-à-dire musée du Quai Branly, parce que ça ne gêne personne, quoi. Musée du Quai Branly, on peut y mettre ce qu'on veut derrière ou dedans. Alors, ce musée, c'est un musée donc justement des cultures disparues ou qui sont promises à une mort prochaine. Et ce sont donc si vous voulez, c'est un musée de cultures qui sont complètement figées et qui sont rapprochées d'ailleurs de l'archéologie. Parce qu'il y a à la fois des objets d'art premier, qui sont des objets en général pas très anciens, même si certains... Parce que maintenant, avec le carbone 14, on peut les faire remonter au 19e ou au 18e siècle. Mais disons, comme c'est des objets en bois... Pour beaucoup, ce sont des objets en bois, donc ils sont pas très anciens. Mais ils sont rapprochés, ils sont situés à côté d'objets archéologiques qui sont, eux, très anciens, etc., qui appartiennent à des civilisations disparues. Donc, c'est un musée de cultures qui sont déshistoricisées. Hein, déshistoricisées, d'une part, et d'autre part, il n'y a rien sur les conditions d'obtention de ces objets. Comment on a obtenu ces objets? Comment ils sont arrivés au musée du Quai Branly, parce que là, évidemment, ça pose le problème de la colonisation, comme vous l'avez dit. Hein. Parce que c'est sûr que c'est surtout dans un cadre colonial que ces objets ont été pillés, prélevés, acquis dans des conditions plus ou moins frauduleuses. Et je renvoie ici, pour exemple, je ne prends qu'un seul exemple, c'est celui de... d'Afrique fantôme de Michel Léris, où il raconte comment l'expédition Dakar-Djibouti, conduite par Marcel Griol, a pillé, volé des objets entre Dakar, donc entre le Sénégal et l'Éthiopie. Donc on ne sait pas comment ces objets sont parvenus jusqu'au Quai Branly. Et en outre, les descendants de ceux qui ont produit ces objets, qui ont créé ces objets, n'ont pas été conviés à participer à l'érection, à la construction, à l'organisation de ce musée. Alors que dans les musées américains, par exemple, il y a un musée des Amérindiens à Washington, on a demandé
aux descendants de ceux qui avaient produit les objets qui sont exposés de participer à la configuration de ce musée. On leur a demandé de leur avis concernant les différentes salles où sont exposés les objets, etc., etc. Là, il ne s'est absolument rien produit de tel. On a vraiment muséifié ces objets, alors que maintenant, on ne peut plus faire ce genre de choses, si vous voulez, avec ce type d'artefacts. En plus, si vous voulez, il y avait une arrière-pensée dans le musée du Quai Branly, qui est l'œuvre de Chirac. Hein. Le discours, d'ailleurs, de Chirac, l'inauguration de Jacques Chirac, a été écrit par Claude Lévi-Strauss. Hein. Et l'arrière-pensée qui présidait à la construction de ce musée, la traductrice ne va pas être contente, là, parce que c'est très long, ce que je dis. Et l'arrière-pensée, l'idée qui était derrière la construction de ce musée, c'est qu'au fond, en envoyant les enfants issus de l'immigration, comme on dit, ou maintenant issus de la diversité, les petits maghrébins, les petits africains, ou ceux qui descendent issus de familles africaines ou maghrébines, en les envoyant dans ce musée, au fond, ça leur permettrait d'échapper au fondamentalisme musulman ou au rap, parce que le rap, surtout le rap hardcore, bon, qui est très violent, etc., dirigé contre la République, contre la France, etc., nos hommes politiques de droite, mais peut-être aussi de gauche, n'aiment pas ça. Donc on s'est dit, en allant leur faire voir les statues d'Ogon, les masques baoulés, etc., ça va les calmer. Donc c'était un peu ça l'idée du Quai Branly. Alors, donc il y a à la fois, si vous voulez, dans le Quai Branly, il y a un aspect primitiviste, mais aussi, curieusement, et un peu paradoxalement, il y a un aspect post-colonial. Parce qu'à la fois, on expose des objets d'art tribal ou des objets d'art primitif, mais aussi on expose des artistes contemporains africains qui sont connus sur le plan international, qui, eux, sont dotés d'une signature. Vous savez que les objets d'art premier sont anonymes, en général. La plupart du temps, ils ne sont pas signés, quoi. Il n'y a pas de signature. Alors, et on expose, à côté de ces objets d'art tribal, on expose des artistes africains internationalement connus comme Yinka Shonibare ou comme Romuald Azoumé, qui eux sont des artistes qui exposent dans des expositions à New York, à Munich, à Rome, etc., qui sont des expositions thématiques ou bien des expositions qui leur sont purement consacrées. Donc il y a cette espèce de confusion et en même temps qui, à mon avis, est dommageable, voire même dangereuse, puisque par ce biais, on primitivise aussi l'art contemporain du Sud, l'art contemporain d'Afrique, l'art contemporain d'Amérique latine ou l'art contemporain d'Australie, enfin d'aborigènes australiens. Voilà. C'est un peu long. Hein. Ça sera tout. Elle va demander un supplément, là. Hein. Faut la payer davantage. Beh, io sono molto critico per quanto riguarda questo museo. Devo dire che ci sono stato soltanto due volte, anche se sono stato invitato a partecipare a varie manifestazioni. Ci sono stato una prima volta perché avevo già scritto un articolo contro questo museo per la rivista Nouvel Observateur e quindi mi sono detto che visto che avevo scritto un articolo contro sarebbe stato il caso di andarlo a vedere. E poi ci sono stato una seconda volta in occasione di una mostra su Tarzan perché la rivista americana African Arts mi aveva chiesto di scrivere un articolo su questa mostra. E quindi appunto ci sono andato. Devo dire peraltro che una mostra su Tarzan rappresenta perfettamente quella che è la filosofia di questo museo. Ho scritto questo articolo in inglese, sarà pubblicato anche in francese e penso anche presto in italiano. Per ritornare alla sua domanda, ecco, una domanda molto importante. Questo museo è un museo che inizialmente era stato chiamato Museo delle Arti Primigenie, poi della Civiltà e delle Arti, poi Museo delle Arti Primitive. Insomma, queste denominazioni comunque davano sempre fastidio agli uni agli altri, quindi adesso si chiama Musée du Quai Branly, perché è il nome del posto, è una denominazione che non dà fastidio a nessuno.
È un museo dove vengono raccolte le dimostrazioni, le testimonianze di culture scomparse o che comunque stanno per scomparire, di culture immobili, rigide. Si tratta di oggetti che molto spesso sono vicini, esposti vicini ad oggetti di vera e propria archeologia. Si sa che la maggior parte di questi oggetti africani sono di legno. È vero che con il carbonio si può far risalire esattamente alla data in cui l'oggetto è stato prodotto, ma comunque sì, si tratta di oggetti vecchi, non di archeologia, ma sono esposti vicino ad oggetti di vera e propria archeologia. Secondo me questo museo è un museo desistoricizzante, se si può dire così in italiano, ossia è un museo che innanzitutto non spiega da dove vengono gli oggetti che mostra, non si sa come sono stati ottenuti e naturalmente questo nasconde il problema della colonizzazione, perché si sa che la maggior parte di questi oggetti saranno stati risultato di razzie o comunque di furti avvenuti durante la colonizzazione. C'è un bellissimo libro intitolato Afrique Fantôme che narra di un viaggio tra Dakar e Djibouti e quindi di tutte le razzie di oggetti d'arte che sono state compiute durante questo viaggio. Comunque, un altro problema importante è che nella costituzione di questo museo non sono stati per nulla considerati i discendenti delle persone che hanno realizzato queste opere d'arte, che hanno prodotto questi oggetti. Non sono stati neanche invitati a partecipare alla vera e propria costituzione del museo. In America c'è invece, ad esempio, un museo degli indiani d'America a Washington, e quando è stato costituito questo museo è stato chiesto ai discendenti, appunto, di coloro che avevano prodotto determinati oggetti di partecipare proprio all'installazione delle sale, alla costituzione del museo, cosa che nel caso di specie non è stato fatto e quindi un problema aggiuntivo. Nella nostra epoca storica non si può naturalmente procedere in questo modo. E poi un'altra cosa importante: c'è l'impronta, diciamo, c'è un retropensiero a questo museo. L'impronta di Lévi-Strauss che ritroviamo, perché ad esempio nel discorso di apertura che fu pronunciato dall'allora presidente Chirac, ebbene, questo discorso era stato scritto proprio da Lévi-Strauss. E qual è l'idea nascosta, diciamo, dietro la costituzione di questo museo? È stata la seguente: si è pensato: se mandiamo i bambini, i figli di immigrati, magrebini, africani, eccetera, a vedere questo museo, forse riusciremo ad allontanarli dal fondamentalismo musulmano, forse riusciremo a distrarli dalle nuove tendenze tipo il rap che fa tanto paura al regime repubblicano. Quindi era un'idea, insomma, nata per distrarre questa seconda generazione di immigrati. Si è pensato che forse così si potevano dare una calmata. Ecco, quindi diciamo che c'è questo aspetto primitivista che viene contemplato nel museo, ma anche un aspetto postcoloniale, perché insieme alle opere appunto antiche, archeologiche o semplicemente vecchie, sono esposte anche delle opere di autori contemporanei, quindi c'è anche la sfaccettatura postcoloniale, come autori famosi che hanno anche delle mostre personali a New York, a Monaco, a Roma, come Romuald Azuré ad esempio. Quindi si crea qui una confusione che a mio parere può essere molto pericolosa tra questo aspetto primitivista delle opere d'arte mescolato a quest'arte contemporanea del Sud, che rischia però così di perdere la sua valenza.